Les maladies les plus contagieuses que l'on ait connues, c'est pour l'instant, hein, c'est la rougeole et la variole. Voilà, ces maladies extrêmement contagieuses. Pareil, de manière essentiellement, en grande partie respiratoire et manuelle. On estime que ce qu'on appelle le R0, qui est une fantaisie mathématique, mais c'est pour donner un chiffre qui permette de comprendre, est quelque chose qui se trouve entre 12 et 20. C'est-à-dire que pour chaque cas que vous avez, en période épidémique en particulier, vous avez entre 12 et 20 personnes qui vont être contaminées secondairement. D'accord. Là, ce qu'on connaît pour ce virus, ça se situe entre 2 et 2,5. D'accord. Donc, ce n'est pas la même, du tout, du tout, du tout la même engeance. Donc, d'ailleurs, vous voyez bien qu'à la fin, vous ferez le compte, il y aura moins de cas qu'il y a eu de grippe l'année dernière ou l'année d'avant. On ne s'est pas retrouvé avec 70% de la population infectée. Enfin, c'est pas, il y a des maladies qui donnent ça quand même. Hein. Eh bien, voilà, c'est une maladie dont la contagiosité n'est pas extrême et dont la mortalité, pour l'instant, n'est pas une mortalité extraordinaire.